Bonjour à vous tous, ici c'est Stéphane. Aujourd'hui ça va être une démonstration du vortex versus un blender. Donc après l'électrolyse que j'ai mis sur internet, là c'est faire taire un peu les billevesées de certains là, qui pensent tout savoir et qui ne savent rien, que j'ai encore vu hier d'ailleurs au salon de la Marjolaine. Peut-être qu'ils ont vu le flyer parce que j'offrais le DVD Water Collector avec le dynamiseur d'eau par système vortex. Et tout de suite, c'était ouais, c'est la même chose qu'un blender, on crée un vortex. Donc, bah, j'ai montré à ces gens qui sont en plus des exposants, des concurrents, que c'est pas du tout ça. Et là, donc, déjà, la différence entre les deux, c'est que vous avez un cube avec des minéraux. Dedans, vous avez le spinner qui va permettre de créer le vortex. Et là, dans ce cube, vous avez donc les minéraux, non pas artificiels, mais naturels. Donc, calcium, magnésium, zinc, qui était le stimulant. L'argent, qui est un bactéricide, de la tournamine noire, de la zéolite, des boues d'alcaline et de la magnétite. Comme tout être vivant sur Terre, ça, j'aime beaucoup ce dessin qui est très parlant. Vous voyez? On n'est pas là, mais on est là. Et on a tous besoin de la magnétite. Donc voilà, et ce cube fait 4020 minutes et la dynamisation c'est 9, 18 ou 27 minutes. Donc sauf que je ne pourrais pas faire du tout avec un blender, la machine elle chauffe et à un moment donné elle m'explose dessus. Voilà, je vais vous faire là une démonstration live, vous allez voir un vortex et pas de vortex. Là ça sera un mixeur. Vous êtes prêts? Let's go. Voilà, on va avancer un petit peu pour regarder. Ah, il recule. Voilà. J'allume. Dans un mixeur. Donc voilà, toutes les personnes qui pensent savoir, qui mettent leur sens comme d'habitude, mais ne savent pas, ne lisent pas, ne s'intéressent pas, ne posent pas de questions. Mais comme dirait Renaud, je sais rien, mais je sais tout, bah, enseignez-vous avant. Voilà, bah, écoutez, je reviens donc sur ça, le DVD offert avec l'appareil, donc le dynamiseur d'eau par système Vortex, le film, et dans la version collector, vous avez 2 heures et demie, si mes souvenirs sont bons. Même si j'ai vu que ce fois, vous avez 133 minutes, donc 2 heures d'intervenants. Il y a le niveau biophysicien information et auteur du livre La nature de l'eau, Jacques Collin, vous avez Maxence Lallier, vous avez Marc-Henri, chercheur et professeur à l'Université de Strasbourg, Jacqueline Bousquet, Jean-Marie Combelle, Loïc Salé, Sylvain Ladec, Bertrand Palme. Voilà, vraiment une bonne brochette de personnes qui travaillent sur l'eau. Voilà. Merci à vous, merci de votre attention et à la prochaine. Au revoir.